Elena Brodounova va nous montrer autre chose à Saint-Pétersbourg au championnat d'Europe. Fin avril, elle sera chez elle alors que la poutre, eh bien, ça ne se passe pas très bien pour Poloskova, Alena, la Biélorusse. Oui, oui. Quelques déséquilibres notoires. Ça roule avant et c'est la chute. Ce qui prouve bien que la poutre demeure l'élément le plus redouté par ces jeunes gymnastes. On ne le répétera jamais assez. L'espace. Un vrai poisson. Oui, il est rattrapé de justesse. Clairement décalé, c'est l'agrès le plus redouté, oui, effectivement, le plus difficile à maîtriser. Et puis, regardez cet espace au-dessus, c'est dur à maîtriser. Il faut des appuis visuels, des repères. Et Bercy est aussi, pour les gymnastes, un magnifique palais des sports. Mais à la poutre, il y a des difficultés, parfois, à se repérer. Surtout lorsqu'on exécute des acrobaties sur cette poutre de 10 cm de large. Sortie. Double carpé. Bien. Alors, on va profiter de cette fin de poutre pour rejoindre Nelson Montfort qui a la chance, je dirais bien la chance, d'être aux côtés de Elena Vitrychenko, je pense la plus belle gymnaste au monde. Oh oui, Pierre, j'approuve tout à fait ce que vous dites et je pense que ça vous fera plaisir, Pierre et Michel, de voir Elena.